gotta get get, gotta get get, gotta get 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 get, gotta get get, gotta get get. Top 5 des smartphones haut de gamme. Les smartphones sont devenus indispensables à nos vies. Il en existe de différentes sortes et à de différents prix. Si vous voulez un smartphone haut de gamme, alors bienvenue sur notre top 5. Nous avons pris le temps de faire pour vous le top 5 des meilleurs du moment. C'est parti. 1. iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 fait partie des tout nouveaux bébés d'Apple. Sorti cette année, ce smartphone reprend l'essentiel des fonctions de la marque et quelques plus encore. Si vous êtes amateur du haut de gamme, vous ne serez sûrement pas déçu par les caractéristiques et nouvelles fonctionnalités intégrées. Avec une taille d'écran de 6,1 pouces, écran qui d'ailleurs est en Ceramic Shield, plus résistant que le verre de n'importe quel autre smartphone, l'iPhone 12 est compatible avec la 5G. Ce qui est une très bonne nouvelle même si la 5G va sûrement prendre un peu de temps avant d'apparaître dans la plupart des régions du monde. Ce smartphone est plutôt compact et résistant. L'arrière n'est pas trop différent de l'iPhone 11. Mais on voit la différence lorsqu'on tient les deux portables dans la main. Avec une capacité de stockage de 512 Go et un appareil photo à 3 capteurs, les amateurs de photos trouveront leur compte. Le poids de l'appareil est de 168 grammes, son prix est de 1159 euros. Les plus, agréable à tenir en main, léger, la performance. Les moins, la netteté des photos. 2. Galaxy S20 Plus. Samsung, l'autre géant des smartphones, ne cesse de nous faire rêver depuis des années avec sa série de Galaxy. Ils sont dotés de fonctionnalités qui les hissent chaque année parmi les smartphones haut de gamme que vous pouvez vous offrir. Le Samsung Galaxy S20 Plus est doté d'un écran 6,7 pouces avec la technologie AMOLED. La mémoire RAM est de 8 Go ou 12, ce qui en fait un smartphone vraiment fluide et capable d'exécuter sans bug vos programmes, logiciels, etc. La batterie est de 4500 mAh et l'appareil est doté de 3 capteurs au niveau de l'appareil photo. Pour augmenter la taille de la mémoire, il existe un emplacement SD qui peut supporter jusqu'à 1024 Go. Au niveau de la batterie, la charge est plutôt rapide quand votre téléphone se vide. Le poids de cet Android est de 186 grammes et son prix de 750 euros. Les plus, la mémoire RAM, la qualité des photos. Les moins, design simple. 3. iPhone 11. L'iPhone 11 est une belle alternative si vous ne pouvez pas vous offrir l'iPhone 12. Son prix est encore plus abordable et il dispose de fonctionnalités tout aussi importantes. Au niveau de l'appareil photo, vous disposez de 2 capteurs. Vous avez un écran de 6,1 pouces qui vous permet de manipuler convenablement votre appareil avec une résolution de 1792 x 828 pixels. Pour la mémoire de stockage, c'est à vous de choisir ce qui vous convient entre le 128 Go, le 64 Go et le 256 Go. Le stockage est aussi extensible par un micro SD. Avec sa mémoire RAM de 4 Go, vous allez pouvoir utiliser de façon fluide vos applications préférées, ouvrir et exécuter vos programmes. La capacité de la batterie est de 3110 mAh. L'iPhone 11 n'est malheureusement pas compatible avec la 5G. Pour profiter de cette technologie, vous allez devoir passer au 12. Assez fin et ultra portable, ce smartphone reste dans les tops du top. Les plus, la qualité de photo, le design. Les moins, absence de 5G. 4. Xiaomi Mi 10 Pro. Cette marque fait son entrée dans les smartphones haut de gamme. Depuis toujours, on a souvent eu en tête de liste iPhone, Samsung et Huawei. Mais ce Xiaomi Mi 10 Pro a maintenant toutes les raisons de s'insérer dans cette liste. Avec un poids d'un peu plus de 208 grammes, ce smartphone arbore un design très plaisant et élégant. Le dos du smartphone est en verre mat, une matière qui reflète légèrement la lumière et qui ne laisse pas de traces de doigts. Son écran est de 6,37 pouces avec une caméra frontale logée en haut à gauche. Il est équipé d'un puissant processeur Snapdragon 865. Le smartphone est également compatible avec la 5G, ce qui est un grand plus. Avec une batterie de 4500 mAh qui vous donne une autonomie de plus de 16 heures, la recharge du Mi 10 Pro est aussi très rapide. Le prix de ce téléphone avoisine les 1000 euros. Les plus, le design, les performances, l'autonomie, la recharge très rapide. Les moins, appareil photo. 5. Huawei P30 Pro. La marque Huawei n'est plus évidemment à présenter dans le monde des smartphones haut de gamme. Depuis quelques années, elle ne cesse de nous surprendre. Le P30 Pro est le premier smartphone au monde équipé d'un zoom périscopique. Avec cet appareil, vous allez faire des photos magnifiques de jour comme de nuit. Vous pouvez zoomer sans aucune perte de qualité.
Son écran OLED incurvé et son autonomie font aussi partie de ses plus grands atouts. Ce smartphone est doté d'une mémoire RAM de 6Go qui lui permet de fonctionner de manière efficace et de 128Go de stockage pour vos données. L'autonomie de l'appareil varie entre 16h et 23h selon l'utilisation. Sa recharge n'est pas ultra rapide, mais très acceptable. Les plus. Format compact. Excellent appareil photo. Très bonne performance. Prise jack. Les moins. Pas de recharge ultra rapide. Pas de recharge sans fil. Les smartphones haut de gamme ont des fonctions aussi incroyables les unes que les autres. Nous sommes à présent à la fin de notre top 5 des smartphones haut de gamme du moment. Avant de faire un choix, il est nécessaire de lire les caractéristiques de chaque produit et prendre en compte vos besoins ainsi que votre budget. Dites-nous en commentaire le smartphone qui vous a le plus séduit. À bientôt. Thank you.